Coucou, je vais vous faire un petit tour de mon home studio qui n'est autre que mon salon. Donc, j'ai de libre, j'ai pas de rangement, j'ai de libre ma table qui fait table basse aussi, mais là je l'ai dépliée en grande table qui n'est pas trop stable. C'est une vieille table de mamie. Récupération. Donc, comment je vais tourner l'appareil? Ben, je vais tourner comme ça. Ça va commencer par là. Ça va faire tout le tour. Alors, attendez. Je vois pas. Donc, je vois de travers. Vous avez toute la table qui est prise. Jusqu'à par terre. Et ça continue. Bon, il y a du bazar aussi, hein. Donc voilà mon petit home studio. J'attends de me payer des meubles chez Action. Voire des rangements par caisse. Mais il faudra que ça s'ouvre par le devant. Voilà. Donc, j'ai regardé les vidéos des copines, évidemment. Sur ce côté-là, impossible de faire des étagères, c'est un mur plein. Devant, pareil. Et de l'autre côté, j'ai une bibliothèque qui est pleine. Et puis un vaisselier. Donc, j'ai plein aussi. Donc, oui, il me faut des rangements. Mais j'ai tellement de choses d'accumuler en 30 ans que ça devient pénible de trouver les choses si c'est pas marqué dessus. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai une boîte vide qui me sert à faire les tournages. Ouais, c'est ça. Voilà, cet appareil-là, ici, qui retient mon portable. Et puis sinon, j'ai un format A3 disponible pour travailler. Et encore, quoique là, il est un peu encombré parce que j'ai tout sorti, j'ai manipulé les trucs. Et voilà, et donc c'est mon petit bazar entre le vapotage qui prend pas trop de place, ça va encore. Je peux le ranger en 2 secondes. Et sinon, il y a le petit bazar, quoi. J'ai mes papiers qui sont bien rangés, c'est déjà ça. Bon, j'attends vos avis par rapport à ce que je pourrais faire, avoir des étagères ou je sais pas. Voilà, bisous, à plus.